Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur le Sud pour la suite, pour le 17ème épisode du Sud sur Transport Fever 2. On continue donc en revenant dans la ville cette fois, comme vous avez pu le voir dans ce thème-là, c'est avec le format un peu spécial que j'ai adopté pour le début de la vidéo, avec ce timelapse au début tout seul, cette prise de parole, on va avoir un deuxième timelapse et la conclusion. Donc, dans le premier timelapse, vous avez vu des bouts, des tout petits bouts de la construction, donc de tout ce quartier, enfin de toute cette zone. Donc ça fait vraiment un énorme ajout à ce qu'était la ville avant. Globalement, j'ai ajouté tout ça, tout ça qui n'existait pas. Donc vraiment ça fait que la ville a déjà une plus grande prestance et fait office vraiment de ville. Avant c'était plus un petit bout de on sait pas trop quoi. Enfin voilà. Comme vous avez pu voir, j'ai essayé d'ajouter des petits bâtiments un peu spéciaux parce que c'est ça qui manque souvent dans Transport Fever 2, c'est que c'est compliqué de faire des bâtiments à fonction. Et donc là, bah malheureusement j'en ai intégré qu'un seul, j'ai intégré que ici le Kif Office de collège. Et honnêtement c'est pas si mal, je trouve, ça rend pas mal. Ça se détache mais ça s'intègre quand même très bien au reste. Ici, c'est marrant, j'avais pas fait hier. Quand je l'ai fait, je pensais pas forcément, mais cette étoile en fait qui est faite par ce rond-point, avec son petit centre un peu particulier. Mais ça rend vraiment très cool aussi. 2-3 petits bâtiments. Et ce dont je suis vraiment content pour tout ce quartier, c'est la vue en 3 dimensions. Vous voyez qu'on a globalement beaucoup de. Des tours qui poussent un peu partout. Et ce qui est en plus accru par le fait qu'on ait un grand dénivelé. Je sais plus, mais là on est à 6 mètres. Là on est à 6 mètres, ici on se retrouve à 29 mètres. Vous voyez qu'on a quand même 23 mètres. 23 mètres de décalage entre le point ici et le point de l'aéroport qui est tout en bas. Donc, dites-moi aussi ce que vous pensez un peu de cette zone-là. J'ai deux trois petites questions parce que ici je savais pas trop comment faire. J'ai fait un mur comme ça, un peu une sorte de plateforme, mais c'est pas vraiment très cohérent parce qu'on a aucun accès. C'est plus des bâtiments. Ça je sais pas trop. Le petit parc là. Et globalement c'est tout. Après c'est moins détaillé que notamment ce que j'ai fait pour ce qui est là-bas. On a moins de détails. Enfin, vous voyez que si on regarde vraiment dans les rues, c'est des bâtiments et des bâtiments, quoi. Et là, on voit une rampe. C'est là qu'on se rend compte que le dénivelé est quand même assez important. Enfin, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, maintenant, on va passer donc à la deuxième partie du timelapse. Et, comme vous avez vu dans le titre, on va s'intéresser à la cathédrale. La cathédrale, où est-ce qu'elle va être? Je vous pose la question, bon, évidemment. La cathédrale, elle va prendre place au milieu de cette grande place. Ça fait beaucoup de place, mais elle va venir s'installer juste ici. J'ai vérifié que ça rentrait bien et ça rentre bien pour le modèle de cathédrale que je vais utiliser. Et donc cette deuxième partie de timelapse, on va s'occuper de détailler tout ça et puis faire un peu le tour rapidement, même si c'est pas encore définitif à cause de. Je me demande si je vais ajouter un accès à l'autoroute. On en a déjà 3 d'accès à l'autoroute, mais est-ce qu'il faut en ajouter un ici? Peut-être, même si ça me déplairait un peu parce qu'ici on est en pente. Donc ça serait un peu compliqué à jumeler, surtout qu'on a, vous voyez ici, aussi cette place, cette semi-place, qu'on va peut-être relier. Ça reste très... N'hésitez pas à proposer d'ailleurs vos idées si vous pensez que là on doit avoir un accès à l'autoroute, enfin si on doit avoir un accès à l'autoroute en plus dans cette zone-ci, ou si déjà les 1, 2 et 3 qu'on a déjà suffisent. Bon, pour pas faire un truc trop long, écoutez, on repart tout de suite en timelapse pour la deuxième partie de timelapse de la vidéo. Et on va faire donc la cathédrale et je vous retrouve juste après. Allez, bon timelapse et rendez-vous tout de suite après.
Et voilà, on se retrouve après le timelapse. Vous voyez que cette petite zone, j'essaie de la détailler un peu, la cathédrale rend bien, elle est bien mise en valeur, je trouve, par tout, ce qu'il y a autour. Donc, écoutez, j'aime bien. Vous voyez que j'ai déjà mis des bus, deux lignes de bus qui passent ici. Une qui vient de la gare, une qui vient de l'autre gare. Incroyable. Ça fait pas mal d'activité, il y a pas mal de piétons. Des voitures, quelques voitures qui se baladent, mais ça rend vraiment très bien. Donc la zone en général rend vraiment cool. Et donc vous voyez bien, hop, le bus va jusqu'au stade. Un des bus, l'autre s'arrête là. Et donc toute cette zone là qui vient se rajouter à la ville et qui rend vachement vachement bien. Je suis vraiment content. Vous voyez qu'il y a du monde, beaucoup beaucoup de monde qui attend. J'ai mis de la capacité dans à peu près tous les bâtiments, enfin à peu près tous les bâtiments, non, quelques bâtiments par-ci par-là. Et donc il y a pas mal de mouvements ici. Vous voyez, il y a énormément de monde. Je crois qu'il y a du monde ici, ici. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. C'est le but de ma vie, c'est de faire quelque chose qui est beau et qui est fonctionnel dans le jeu. C'est-à-dire que il va y avoir du monde qui va emprunter ses voies, du monde qui va bouger et que ce soit vivant. Ce qui est un peu compliqué à faire sur le jeu, je vous l'accorde. Bon. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Bon, j'avoue que le décor de l'église, enfin de la cathédrale, autour de la cathédrale est assez sommaire, assez simple, mais c'est comme ça de base, réellement. Quand vous avez une cathédrale, souvent un parvis qui est finalement assez vide, qui est plus rempli par les touristes ou par les habitants que par du mobilier urbain. Donc là on a une sorte de petit cercle, un petit ovale avec des pots, enfin des plantes, un peu d'herbe tout autour. Et voilà, vous l'avez peut-être vu dans le timelapse, mais j'ai mis en place un système de chemin. C'est pour ça qu'on a des gens qui se baladent un peu à droite à gauche, vous voyez. Un système de chemin assez complet qui traverse la cathédrale. Et donc ça c'est cool. Ici ça a changé un peu parce que j'ai eu un problème. Bizarrement il y a une sorte de petit bug dans les lanes de transport suiveur. Quand vous passez, enfin là de base j'avais une 3 voies et en fait la voie à droite n'était pas desservie, étonnamment. Je sais pas trop pourquoi, j'ai pas trop compris pourquoi, mais... Du coup voilà, on a ça et obligé de mettre la ligne de la voie de bus, pardon, pour que les bus puissent aller tout droit et qu'ils ne soient pas obligés de tourner. Malheureusement on doit faire avec ça dans transport suiveur. Du coup malheureusement la voie droite sera utilisée que par des bus. Donc des bus articulés, des bus simples. Bon là il n'y a pas trop de bus simples, je sais pas où ils sont. Il y a beaucoup plus de monde sur la ligne avec les bus simples. Vous voyez ici donc l'arrêt du bus articulé, j'ai rajouté cette petite partie parce que sinon ça rentrait pas. Vous voyez que ça rentre tout pile. Mais voilà, si en fait il y en a un là, bus classique. Bon, et bien sur ce, je vous laisse avec les. D'ailleurs, je vous laisse avec les cinématiques de fin. J'espère que cette vidéo vous a plu et que, en tout cas, vous aimez autant que moi le résultat de la ville. Globalement, surtout maintenant qu'elle ressemble vraiment à une ville. Et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et je vous en rendez-vous à la prochaine pour la suite, peut-être finir la ville, si j'en suis pas lassé vraiment, ou sinon pour un autre projet auxiliaire. On verra. Allez, ciao, et à la prochaine.